les choucrouloutes, ici Loupina pour un nouvel épisode du 100 bébé challenge. Regardez-moi comment Clémentine est trop belle. Je la kiffe. Regarde comment elle est belle. Il s'en fout. Vous pouvez constater qu'on n'a plus un rond parce que j'ai revendu la maison et je me suis acheté une penthouse. Beach. Comme si on n'était pas assez riche, donc je l'ai construite moi-même. Je vous la présente, si ça veut bien, pouic pouic, voilà. Donc c'est pas une penthouse de chouchotte, hein. J'ai pas fait dans la dentelle. Je n'ai utilisé aucun code, hein. J'ai vraiment tout fait avec les sous que j'avais. Par contre, j'ai eu plein de petits... D'ailleurs, j'ai oublié un bout là, ok, super. Je vous explique, j'ai eu plein de soucis parce que la première fois que j'ai fait emménager ma famille, le bébé était coincé là, genre dans l'immeuble, mais dans l'immeuble en dessous. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Dedans, en fait, il était dedans, je pouvais rien faire avec. Je pouvais pas le récupérer, j'ai dû déménager 36 fois, il a fallu qu'on teste 20 milliards de fois pour trouver la solution. Donc en fait ce qu'il fallait faire c'est qu'il fallait que j'enlève toutes les chambres et que j'en laisse juste une. Et ensuite que je les fasse emménager et ensuite que je rajoute les lits. Donc ça a été casse-pied. Du coup il me restait quelques sous. Je sais plus combien exactement mais j'ai préféré remettre un compte à 100 histoire de pas exagérer. Normalement, là, il y avait un bout, mais ça a dû supprimer parce que j'ai pas arrêté d'enlever et de remettre la maison. Là aussi, comme vous pouvez le voir, il y a un bug avec la piscine. Moi, tant pis, hein. On va faire avec. J'ai envoyé un mail à Origine pour leur dire que leur jeu bug. La meuf. Bref, je vais arrêter de parler. Et je vais vous montrer la maison. Alors... donc ici c'est l'extérieur avec un petit balcon, j'ai mis des salles à manger. J'ai voulu changer pour une fois, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... je vais y arriver. Au rez-de-chaussée, j'ai fait les chambres et à l'étage, j'ai fait la cuisine, etc. Donc là, putain, ce parterre de fleurs est trop beau. Donc voilà, il y a un petit truc de basket, un jacuzzi, les pétales de fleurs, les mecs, vous allez en voir partout, c'est trop kitsch, j'adore ça. j'ai mis des bougies, une piscine, une autre petite piscine. Là, il y a notre petit jardin, donc pareil, hein, j'ai gardé mes plantes, quoi, j'ai juste gardé ça. Alors, nous arrivons là, il y a une chambre, il y en a une autre. Une autre, voilà, rien d'exceptionnel, hein. J'ai fait ça très vite, j'avais plus de thunes en plus. C'est pour ça qu'il y en a qui n'ont même pas de déco. Donc voilà, les chambres, une première salle de bain. Avec Sébastien. Sébastien ! Ça, on ira voir après. Là, il y a une salle de jeu pour les gosses. Donc elle est quand même assez grande et spacieuse, enfin voilà, je me suis éclatée. Ici au fait, il y a l'ascenseur et l'entrée. Alors à l'entrée, j'ai mis tous les actes de naissance. Ici, on peut sortir pour aller sur le balcon, pour, je sais pas, prendre l'air, fumer sa clope, je sais pas. Je le décorerai sûrement plus tard. Ici, nous avons la chambre de Clara. N'importe quoi, c'est Clémentine. Clara est morte. Faut que je m'y fasse. Il y a un bruit chelou dans mon casque. Je sais pas si vous entendez. Je sais pas. Donc, sa petite salle de bain. Personnelle. N'est-ce pas? Le chat. Donc, elle a une douche, une baignoire, des toilettes. Sa chambre. Voilà, comme ça. Un petit PC, une cheminée, son lit à baldaquin. Franchement, je me suis éclatée à faire la maison. Ça m'a pris du temps. J'étais pas sûre du résultat, mais au final, je trouve que j'ai bien géré. Si vous voulez la maison, je peux bien évidemment vous la mettre dans la galerie. On monte donc et on a une petite cuisine. Alors la petite cuisine est vraiment ce qu'il faut, le nécessaire quoi. Je savais pas trop la mettre, j'avais envie de faire un truc ouvert. Vous voyez, il n'y a aucun mur dans cette pièce. Et en plus, j'ai mis des pistes de danse ici pour justement qu'il y ait plein de lumière. Enfin, je trouve ça trop beau, vous me direz ce que vous en pensez. Là, il y a un coin salon. Ici, il y a un petit coin cocooning, bibliothèque. Là, il y a un truc pour chanter. La piste de danse est ici. Un petit truc de sport. Voilà, donc c'est très sobre. Enfin, c'est simple. Mes chaises colorées arc-en-ciel, comme j'ai l'habitude de faire. J'adore faire ça.
Donc, ce qu'on va faire, d'ailleurs, j'ai relooké Clémentine, enfin, je ne l'ai pas relooké entièrement, je lui ai juste ajouté des tenues. Vous les verrez au fur et à mesure, je pense. C'est l'anniversaire de Edouard. Donc, on est dimanche, il me semble, je vois pas parce qu'il y a le chat devant l'écran. Sinon, c'est pas drôle. Donc, il y a le chat devant l'écran et je vais. Ce que je vais faire, les gars, c'est que j'ai vu qu'il y avait un marché aux puces parce que du coup, j'ai un petit peu joué pour voir si ça marchait bien avec le bébé, etc. Là, parce que franchement, ça m'a saoulé cette histoire. Je garderai le landau hein, parce que là, j'ai trop peur qu'il me le refoute en bas. Du coup, je vais le changer d'âge vu que c'est son anniversaire. Hein, on est d'accord. C'est l'anniversaire de Studio FS3. Elle vient de traverser la clôture. Tout va bien. C'est pas grave. On va dire que c'est parce que c'est une femme enceinte, c'est une thug. Voilà, donc il grandit. On lui met un trait. Allez, on s'en fout, ça, voilà. Et puis, hop, ça, voilà. Donc c'est quoi que j'ai mis? Rat bibliothèque. Prodige artistique. Eh ben c'est parfait. Édouard, putain, j'arrive pas à cliquer dessus. C'est bon. Édouard, tu vas aller, je sais pas moi, lire un bouquin. Écoute, on s'en fout. On s'en fout de toi. Le pauvre Édouard. Pardon. Ça c'est pour ceux qui ont vu le live qui remonte un peu maintenant le dernier live du Cooker Challenge. On s'est tapé un délire pour Halloween. C'était n'importe quoi. Bref, je le fais là puisque. Excusez, Doudou. Ruru est malade. Oui, donc je le fais là parce que. Mais c'est pas Edouard, c'est Alexis que j'ai pris. Oh là là. Je le fais parce que c'est encore frais dans ma tête, mais vu que je tourne en avance, mais vous, vous allez peut-être pas comprendre. Bref, d'ailleurs, merci à tous ceux qui se sont abonnés. Merci à tous d'être là. Enfin, je vous kiffe, je pense que je le dirai jamais assez. C'est vraiment sympa, toute cette. Tout ça. Tout. Cette ambiance, on va dire. J'en perds mes godasses. On va allumer les cheminées parce que je kiffe les cheminées. Je crois qu'il y en a encore une là-haut. Juste à côté du bouquin. Voilà. Et ensuite, du coup, j'ai vu qu'il y avait le marché aux puces. Bon, on n'a plus du tout de thunes. Je crois qu'on a des fruits. On a des mûres là. Voilà. On va tout récolter. Hop. Et comme ça, on va peut-être pouvoir acheter des trucs aux puces. On va voir. Elle a combien de charisme, la Clémentine, là? Je suis désolée si parfois vous voyez qu'il y a des petits frises. Depuis que j'ai mis à jour Origin et ma carte graphique, il y a des soucis. Mon jeu frise, donc je pense que je vais revenir un truc moins avancé de ma carte graphique. Enfin, je vais voir ce que je vais faire. Je sais pas si c'est Origin qui fait bugger les Sims ou si c'est ma carte graphique. Pourtant, ma carte graphique est très bonne, hein, mais justement, je me demande si elle est pas un peu trop bonne pour ça. Pour le jeu que c'est. Enfin, j'en sais rien en fait, je sais pas du tout. Je ne sais pas. Donc, on va vendre tout ça et on va aller au marché aux puces. Et s'il y a un festival, on le fera. Surtout le festival de l'amour. Puisque bah, ça va bien avec Clémentine, je trouve qu'elle va pouvoir draguer du mâle. Je vois, c'est l'enfant de qui, Edouard? Edouard. Edouard. Oula. De qui es-tu l'enfant, Edouard? Ça a bugué, voilà, donc ça a prise. C'est l'enfant de non. Uvario, ok. C'est l'enfant d'Uvario, je sais pas pourquoi il y a des. Ah d'accord, ça s'affiche pas tout de suite, ok. Du coup, bah, le prochain gosse, je crois que celui de Wolfgang. Wolfgang, je sais pas comment on prononce ce pseudo là. De Mozart, voilà, on l'appelait comme ça. Et le prochain qu'on aura, ce sera un gosse de. Comment il s'appelle? De Michael, il me semble. Si vous voulez. Ah, bah voilà, c'est bon, on est déjà plein de thunes. Alors, juste avant de partir, je vais juste changer ce petit bout là parce que ça me perturbe. Ça me perturbe! Hop! Clôture raffinée. Voilà. Hop là! Et voilà, j'espère que ça va pas. Non, c'est bon. Alors, j'ai vraiment peur. Alors, on y va. Allez. Ah, c'est quoi? Marché aux puces. Allez, on y va. Non, mais on y va toute seule. On s'en fout. On y va toute seule. On est en cloque. Ils vont pas nous refuser des trucs quand même. On est enceinte. Enceinte. Mon Dieu. Allez, allez, allez. Allez. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Charger ce foutu jeu. D'ailleurs, Vicitadine est très beau.
Je viens de la voir, hein, encore une fois. Donc, c'est beau. Voilà, c'est beau. J'avale de travers. Alors, oh, il y a du mal! On peut draguer? Non, je crois que lui, on l'a déjà eu. Oh, on les a déjà eu, eux. C'est qui ça? Je t'ai pas eu, toi! Johnny, viens ici, Johnny! Mais c'est ici ou... Parce que là, c'est un karaoké, non? Non, c'est là! Attends, où est-ce que c'est... Ah, c'est là! Oh, on va pouvoir dégoter des trucs! Oh, ça, c'est trop bien! Je le veux! Quoi? Mais c'est cher! Oh. Fauteuil de détente. On peut pas se mettre sur un cadre et vendre? Attends, là, il y a peut-être des trucs... Ah ouais! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un robot. Quoi? Mais c'est censé être un marché aux pubs ou... Aux pubs. Aux puces ou c'est censé être une arnaque, en fait? Parce que là, c'est un peu cher, non? Vous pensez pas que c'est un peu cher? Ah, ça, oui. Ça, non, hein, c'est trop cher, hein. N'importe quoi. Le petit dragon, il est trop mignon. Quoi? Mais c'est cher! Mais pourquoi c'est aussi cher? Johnny, on peut pas essayer de... Appeler, plus de choix. Marchander, voilà. Essaye de marchander. Qu'est-ce qu'il dit? S'il te plaît, je suis une femme enceinte. Ah, vous êtes intraitable. Voilà, je peux encore marchander ou pas? Non. Alors, voyons voir combien ça coûte maintenant. Oh, mais c'est cher! Oh! Mais what the fuck, mais ils ont fumé la moquette, eux, hein? Ah, je pourrais vendre des trucs. Mais c'est trop trop cher, hein? Ah! Oh, c'est rigolo comme... Vas-y, je la prends, on verra. Ça aussi, j'ai envie de la prendre. J'ai envie de tout prendre. Mais c'est drôle comme motif. Voilà, chercher le mot. Motif, on va peut-être pas prendre la rose, bah trop tard. Clémentine a acheté le lampadaire. Oui, d'accord. Bah du coup, il y a que ça? Il y a que ça. Il y a pas que ça quand même. Faudrait bien la poupée vaudou, mais ça servira. J'allais, je vais prendre le petit dragon. Faut faire plaisir aux gosses. De toute façon, on a de l'argent. Ça aussi, je vais le prendre. Allez, hop. Voilà. Marchander. Je peux encore marchander avec toi? Allez. Je suis enceinte. Voilà. Bah du coup, là, ça vaut plus rien. J'aurais pu les... Allez, une autre boîte à bulles pour mes gosses. J'adore. Et ça aussi, ils adorent ça. Voilà. Bon, on va peut-être se calmer, hein, sur les prix. Sur les trucs à acheter, plutôt. Un petit fauteuil. Ça, c'est le truc qui sert à rien, parce que j'ai déjà tout ce qu'il faut. Mais j'ai envie, je sais pas. Bon, par contre... Ah, mais il y a d'autres trucs, là. Oh. Oh, j'ai envie d'aller prendre une chicha. Mais je suis enceinte, c'est peut-être pas une bonne idée. Il y a quoi là-dedans? C'est quoi? Nourriture japonaise. Marchander. On va marchander et on va... Allez, cocotte. Et on va manger un truc. Voilà. Allez. Ouais, nous fait manger un truc. Non? Je mange un truc, s'il vous plaît. Commander de la nourriture à prix réduit. Alors... bah, je vais commander ça. C'est peut-être de la nourriture chinoise, hein, je sais pas. Ça a frise. Désolée pour ça. J'espère que vous m'entendez quand même. Voilà, du coup, mange. Mange bien. Oh, mais lui, on l'a jamais vu, lui. Bon, on va se calmer. De toute façon, on a déjà des gars. Allez, mange tranquille. Oh, c'est épicé. Oh, chouchoute! Ah, bah du coup, le festival est fini. Apparemment, Clémentine n'a pas l'habitude de manger de la nourriture épicée comme ça. Oh. Elle pourra manger des plats plus épicés et deviendra peut-être une fana d'épices. Oh, énorme! Je savais pas qu'il y avait ça. Bon, bah du coup, elle est complètement... Ah oh, oui, jette une pièce. Ça ne sert à rien, mais c'est pas grave. Voilà, fais un petit vœu. Un concours de karaoké. Ça aussi, je voulais lui apprendre le chant. Je voulais lui apprendre... Bon, mais il y a plein de trucs à faire. Je peux pas faire avec cette partie. Allez, tu vas rentrer, ma pépette. On va rentrer. Voilà. On va rentrer parce que de toute façon, elle a envie de faire pipi. Elle a envie de dormir. Ça va pas du tout. Donc, on lui a fait aller aux toilettes et on l'a fait dormir.
Voilà. On va faire ça. Envole-toi, envole-toi. La 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 la. Oh tiens, je savais pas qu'on pouvait tuer un Sims dans le jacuzzi. Je sais pas, je suis pas sûre. Donc, ma pauvre Clem, tu vas aller faire un pissou, utiliser et dodo. Hop, on va s'occuper des grands. Les grands, donc Sébastien. Sébastien, j'aimerais que tu apprennes la peinture afin de pouvoir vendre les toiles et faire de l'argent à ta maman. Alexis, qu'est-ce que tu fais? Tu manges, c'est parfait. Donc tu manges, ensuite tu iras faire pipi, hop, et dodo. L'autre Alexis, qu'est-ce que tu fais? Tu vas manger, hop, hop, hop. Et Edouard. Est-ce que t'as fini tes leçons, Edouard? Oui, c'est bon. Ah d'ailleurs, il faut que tu rejoignes le groupe de Seb. Donc, voilà. Youp! Et je vois rien avec le chat. Pousse-toi, pépère. Voilà, c'est bien, mon pépère. Du coup, c'est bon, lui, il est parti. Ok. Alors, il est en train de se tenir le kiki et en même temps, il mange. Tout va bien. Hop, du coup, Edouard. Edouard, je le relouquerai, hein, vous inquiétez pas pour ça. T'as fini tes devoirs, donc ça c'est parfait. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas... Non, c'est Alexis, ça. Je fais des bêtises. Je fais des bêtises. Bah, t'iras faire pipi. Et t'iras dormir. Le petit Alexis. Hop. Non, mais va pas dans cette douche-là. Bon, bah, visiblement, ils s'en foutent, hein. Bon bah ils s'en foutent, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Toi quand t'auras fini, t'iras te coucher. Je sais même pas quelle heure il est parce que le chat est devant. Ok, donc lui c'est bon, il dort. Il va aller se coucher aussi. Tiens d'ailleurs, va dormir ici en fait. Edouard, va dormir là. Voilà, Alexis. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. C'est parfait. Bah, il y va ou pas? Allez, petit loup, va dormir là. Et voilà, je lui mettrai des lunettes pour le différencier de son frère. Bon, du coup, j'ai aucune idée de quelle heure il est. Il dort, mais c'est passionnant. Ah, mais franchement, je suis trop fière de ma maison. Je suis trop fière. Ah, Alexis est debout. Alors, mon petit Alexis, tu vas prendre une douche. Et puis, tu iras manger un truc. Manger un repas rapide. Mange des céréales, tiens. Et ensuite... Ah, bah c'est bon, c'est bien ça. C'est très très bien. Hop, c'est parfait. Et toi, mon petit lapin, tu iras aussi prendre des céréales. Et toi, loulou, tu vas prendre une douche. Prendre une douche. Tilalilala. Hop. On se dépêche. Seb, oula, Seb, faut que t'ailles dormir. Faut que t'ailles faire pipi. On peut discuter avec les cabinets. Hein. Moi, je dis ça. Je dis rien. tu vas prendre une salade de fruits avec une citronnade. Et ma Clémentine, comment elle va? Alors, déjà, on va foutre les jouets en bas. Hop,
Le petit dragon. Le petit cube. Et les trucs à bulles. Et la poupée vaudou, on la garde pour nous. Ça pourra peut-être nous servir, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, je la mets sur mon bureau. Du coup, Clémentine, tu as très très envie de faire pipi. Très très beaucoup. On peut discuter. Oh, vas-y, va discuter avec les cabinets. N'importe quoi. Je te jure, c'est quoi ça donne? Elle est à combien de mois, Clem? Il me semble qu'elle est au deuxième. Hein. Ah! À bientôt accoucher. Excusez-moi, je reçois des vibrations. C'est mon téléphone qui m'a dit « Eh, vous avez un nouveau message sur YouTube !» Je sais pas quelle heure il est par contre. J'aimerais bien savoir quelle heure il est. Bon. Ok, donc Clem dort. Lui, il mange. Vous deux, vous la touchez, hein, clairement. Bah, vous allez discuter ensemble, tiens. Hop. Toi aussi, tu vas dire des trucs drôles. Non, je vais pas t'entraîner à chanter. Faut que Clémentine, je vais lui apprendre la compétence chant, j'essaierai d'aller chanter dans la rue pour voir ce que ça fait. Allez, fais voir ton ventre, cocotte. Ah oui, aussi, je vous ai pas dit. J'ai mis... Alors, j'espère que ça va marcher, parce que j'en peux plus. Entrée de la maison, on peut faire en sorte qu'il y ait un truc pour avoir plus de chances d'avoir des jumeaux, etc. Donc, j'espère vraiment, vraiment... que ça va marcher, parce que sinon je sais plus quoi faire. J'essaie de lui mettre le trait fertile, mais j'ai l'impression que ça marche que si les deux partenaires sont fertiles et je peux pas me permettre d'aller jouer dans d'autres parties. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est de la triche. Donc bon, bah on verra. Hein. Après, c'est de la chance hein, ou de la malchance pour certains trucs. Bref. Bah écoutez, ça fait déjà 22 minutes qu'on tourne, il y a un chat... je vais vous laisser, j'espère que l'épisode vous aura plu, j'espère que la maison vous plaît. Si vous la voulez, surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire « Loupi, on veut ta maison !» Donc vous n'hésitez pas, il n'y a aucun contenu perso, c'est juste des trucs des jeux. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie des cœurs et des paillettes, et salut !